CEST, une rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre, mais si l'on en croit les informations du Daily Mirror, les choses ne se seraient pas très bien passées. Ensemble à Miami pour le Grand Prix de Formule 1, Shakira et Tom Cruise n'ont visiblement pas ressenti les choses de la même manière. Si les stars sont à Cannes en ce moment pour le festival, elles étaient toutes à Miami il y a quelques semaines. Comme chaque année, la ville de Floride accueille le Grand Prix de Formule 1 et CEST une excellente occasion pour les célébrités de s'y rendre. Un Grand Prix qui a coïncidé avec l'arrivée aux États-Unis de Shakira, qui a décidé de quitter Barcelone et l'Espagne, après plus de 10 ans en Europe. Séparée de son compagnon Gérard Piqué depuis le mois de juin 2022, la chanteuse de 46 ans a pris la décision de venir s'installer à Miami avec ses deux garçons, Milan, 10 ans, et Sacha, 8 ans. Alors qu'elle semble avoir rapidement trouvé ses marques et s'être déjà fait de nouveaux amis, Shakira s'est rendue au Grand Prix de Formule 1 le 7 mai dernier. CEST sur place qu'elle a fait la connaissance de Tom Cruise et à première vue, le courant est très bien passé entre eux. Il est extrêmement intéressé par la poursuite de quelque chose avec Shakira. Il y a de l'alchimie entre eux. Shakira a besoin d'un oreiller doux sur lequel s'appuyer, et cela pourrait être Tom, a confié une source proche de la star américaine de 60 ans aux médias page 6. Les rumeurs autour des deux célébrités n'ont pas tardé à surgir un peu partout dans la presse, mais si l'on en croit les dernières informations du Daily Mirror, il n'y ne serait pas du tout question, du moins du côté de la Colombienne. Les deux acteurs passent sur la même longueur d'onde et si Tom Cruise semble avoir eu un vrai coup de cœur pour Shakira, la réciproque ne serait pas du tout vraie. D'après nos confrères, la chanteuse ne serait pas intéressée par une relation avec l'ex de Nicole Kidman et alors que l'acteur américain s'est montré particulièrement entreprenant lors de leur rencontre, cette dernière l'aurait supplié d'arrêter de flirter avec elle, selon une source citée par le Daily Mirror. Toujours d'après cette même source, l'acteur de Top Gun aurait eu une attitude similaire à celle qu'il a eue lorsqu'il a rencontré pour la première fois son ex-femme, Katie Holmes. Du côté de Shakira, les choses seraient beaucoup plus claires et elle souhaite simplement être amie avec Tom Cruise. Elle ne veut pas le mettre dans l'embarras ou l'énerver, mais il n'y a pas d'attraction ou de romance de son côté, conclut la source qui s'est confiée au journal anglais.